Vas-y tranquille, j'arrive pas à suivre. Toutes les billets sont de mon côté. Je vais encore te battre, comme toujours. Sauf que la partie, elle est pas encore finie. Entrez, c'est ouvert. Bonjour à tous. Bonjour. Tom, tu ne dis pas bonjour à ta sœur ? Tom, comme je te l'ai dit, tu vas partir un petit peu en famille. Ça ne te convient pas ? Tom, Eva est là, tu pourrais au moins... Je vous en prie, Madame Miller, ce n'est pas un problème. Ce ne sont pas des façons de faire. Tom ! Tom ! Tom, sors de là de suite ! Tom, qu'est-ce que tu fais ? On était en train de jouer. Allez, sors de là. Je veux finir la partie maintenant. On la finira la prochaine fois. C'est pas très grave. Une petite signature. À partir de maintenant, Tom est sous votre responsabilité. Il est vraiment super. Il a fait beaucoup de progrès. Il participe aux activités. Mais il est évident qu'il faut constamment le surveiller. Dans sa tête, Tom est un enfant de 8 ans. Oui, je connais bien le problème de mon frère. Je ferai très attention. C'est juste que, en ce moment, j'ai moins le temps de... Eva, ne vous justifiez pas. S'il vous plaît, pas avec moi. Vous avez tellement fait pour lui. Soyez honnête, toujours avec lui. Et puis mettez-le au courant, assez rapidement, de la situation. Oui. OK ? Puis vous allez être à l'extérieur avec lui. Merci, Madame Miller. Faites bon voyage. Oui. Tom. C'est trop chouette d'être devant. Madame Miller, elle nous fait toujours monter à l'arrière quand on va au parc. Tom, tu m'écoutes ? Madame Miller, bah, quand on est tous derrière, avec les autres de l'Institut, eh ben, elle nous laisse mettre la ceinture de sécurité nous-mêmes. Oui, oui, Tom. Tom, il faut qu'on parle de papa. Il ne va pas très bien. Tom, tu te rappelles quand j'avais ramené les piles de ta peluche ? Comment il s'appelle déjà ? Ah, c'est Teddy ! C'est Teddy, ma peluche ! C'est ma préférée maintenant. Je la mets à côté de Princesse Leia, comme ça, la peluche, elle protège Princesse Leia pendant que je suis pas là. Oui, je pensais justement à Teddy. Et tu vois, papa, en ce moment, c'est un petit peu comme Teddy, mais sans pile. Et papa a besoin d'une pile très spéciale.
C'est... Oh, regarde, Eva, Eva, il y a un train, là. Il y a un train. Regarde, il court comme nous. Viens, fais la course avec le train, Eva. Tom. Allez, allez, s'il te plaît. Tom, écoute-moi. On va à l'hôpital, là. Et les médecins qui soignent papa ont dit qu'il avait besoin de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toi qui peux lui donner. On appelle ça moelle osseuse. Et si tu lui donnes un peu de la tienne, eh bien, il pourra aller beaucoup mieux. Papa pourrait guérir grâce à toi. Tu comprends, Tom? Tu serais d'accord pour aider papa, Tom? Oui. Oui, maman, il est avec moi. On fait au plus vite. Oui, je sais, maman. On arrive en fin d'après-midi. Je suis désolée, maman. On fait une maman, petite partie, mais... Eva? Hein? On fait une petite partie? Eh, je suis devenue trop fort maintenant, je suis un Tom, champion. Tom, c'est pas le moment. Tu prends quelle couleur, Eva? Oui. Allez, joue avec moi! Allez, Eva! Allez, dis-moi, tu veux quelle couleur? Ça suffit! J'ai besoin de faire une pause. Il y a un bar ici, je vais m'arrêter ici. Un café dans une grande tasse, s'il vous plaît. Et pour Tom, tu veux quelque chose? Je peux avoir une glace, Eva? S'il te plaît, je peux avoir une glace? Vous avez la carte des glaces sur la porte. Tu peux choisir si tu veux. Je peux choisir? C'est vrai, je peux choisir. Oh, la vanille, là! Ou le cône au chocolat! Ah ouais, le cône au chocolat, ça a l'air trop bon. Ou le lion. Mmh, ah, le lion, ça a l'air bon. Un cône au chocolat, ça te va? Tu veux aller aux toilettes, Tom? Les toilettes, c'est sur la gauche. Tu veux que je t'accompagne? Non, je suis assez grand. La glace t'attend. Je vole.
Tom, descends, ta glace t'attend. Mais Tom, descends, c'est dangereux! Oh, mais non! C'est pas dangereux, n'importe quoi! Allez, viens! Tu vas voir, c'est trop beau! Pierre, une partie. Non, non, Tom, non. Allez, non, s'il te plaît, on fait une partie, s'il te plaît. D'accord. Tu prends quelle couleur? Mais pourquoi elle répond pas, celle-là ? Madame. Madame d'Acosta. Ils doivent arriver d'un moment à l'autre. Madame d'Acosta, votre mari est en salle de réanimation depuis cet après-midi. Nous avons dû instaurer la procédure classique de coma artificiel. Mais si nous ne réalisons pas la greffe... Je sais. Je vous dis qu'ils vont arriver d'un moment à l'autre. Madame d'Acosta, permettez-moi d'insister. Mais maintenant, il ne s'agit plus que de quelques heures. Nous devons agir rapidement. Je ne pourrai pas prendre la responsabilité de la situation, vous comprenez ? Les voilà ! Ils sont là ! Eva, est-ce que tu es au courant que ton père est en train de mourir? Regarde-moi quand je te parle, Eva. Est-ce que tu es au courant? Excusez-moi, Madame d'Acosta. Nous allons nous en occuper. Marina, vous pouvez préparer Monsieur d'Acosta pour la transfusion, s'il vous plaît, et vous l'amener ensuite.
pas chaud. Mais moi, je peux choisir. Bonjour Monsieur D'Acosta, je suis Marina, votre infirmière. Je vais devoir prendre votre température. Ne bougez pas. Voilà, c'est fini. 37,2, parfait. Vous n'êtes pas trop stressée? Tu veux jouer avec moi? J'aurais bien aimé, mais j'ai du travail, je vais pas pouvoir. Avant, je jouais tout le temps avec ma sœur. C'est la jeune fille qui vous a accompagné, votre sœur? C'est la meilleure de toutes les sœurs. Votre père est juste à côté. Ne vous en faites pas, il s'en sortira. Il faut rester confiant. Je vous laisse vous changer, je reviens dans quelques minutes vous chercher. À tout à l'heure. Monsieur D'Acosta? Monsieur D'Acosta? Monsieur D'Acosta?